Et salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Robocraft, chers amis, cette fois-ci dans un mode Battle Arena, ça va nous changer un petit peu, je pense qu'on va reprendre un petit peu le mode Battle Arena et bien tenter ce mode avec ce fameux robot qui est si efficace en TDM. Donc je pense que ce serait peut-être pas une si mauvaise idée que de le tester. Hop. Il va revenir, je pense. Non ? Oh, je l'ai loupé, je suis mauvais. Hop. Je suis tellement mauvais, ça fait tellement longtemps. Oh là là. Alors ça. Hop. Si je peux juste les arras, ce sera suffisant. Hein. Ok. En tout cas pour moi. Oh mince. Ok, jusque là on est plutôt avantagé par la game. À part notre possession du terrain précisément. Donc jusque là ça va. Que là ça ne me dérange pas, je puis dire. Ah, je suis mauvais. Je suis mauvais, chers amis. Une horreur sans nom. Hop. Crac. Hop. Crac. Tu as raison. Ça va reculer. Je sais quand même que j'ai ça hein, derrière moi. Hop. Il est tout seul le bonhomme qui nous attaque, mais... Oh, je suis mauvais. Désolé, tu n'en abuseras pas. Par contre les mecs, on est en train de perdre le point bêtement. Ah mais je suis mauvais, c'est pas possible, pas à ce point là. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, 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 il n'y en a pas un pour me couvrir. Pas un pour me couvrir. Alors. Ah, je suis même pas main damage. Et c'est vrai que la map est pas exactement comme celle de du TDM. Du coup, en fait, ça change complètement la capacité à jouer correctement, si je puis dire, avec les différents robots. Il va bien ressortir. Oh non, il ressort pas. Il ne ressort pas. Pourquoi il vise en bas, lui? Hop, dégage. Hop. Parfait, il a eu les deux. GG à lui. Ah, je suis mauvais. Ça touche. Là, ça touche. Hop. Hop, et ben non, tu peux repasser. Ok, on a toujours leurs 3 tours. Allez, Marcus, tire. Ah, merde. Ah, non. Oh, bonjour. Hop. Ah, il est focus sur le spot, hein, littéralement. Ok. On est plutôt bien sorti finalement. Problème étant que s'ils nous font trop de dégâts en fait à plusieurs tours, ça pourrait être dangereux le retour en fait. Le counter pourrait être violent. Le contre pourrait être violent. Voilà, ça commence à spammer le bouclier.
je peux me trouver derrière le bouclier, ce serait cool en fait. Oh, quelle horreur. Comment je peux rater mes tirs à d'autres manières? Oh, mais je suis mauvais! Bon, c'est pas grave. Donc là, par contre, ils sont peut-être un peu plus. Prestement que chez nous. Alors attendez, il y a lui qui va sortir. Normalement, non, il sort pas. Bon, bah écoutez, why not, hein. Why not, why not. Ah bah voilà, je me doutais bien qu'il allait finir par sortir. Voilà. Hop les, ça c'est fait. Problème résolu. Si on peut appeler ça un problème véritablement. Hein. Je vous l'avais dit que ce méga plasma pourrait nous être utile si jamais nous, nous avions besoin de corps à corps plus que le shotgun finalement. Hein. Faudra vraiment des boosters sur ce véhicule. Que je puisse véritablement. Hop. Tente des choses. Boum. Bah alors, je t'embête. Tu le dis, hein, n'hésite pas. Je suis sûr que mon copain va pouvoir s'en occuper. J'attends juste la régène de mon canon. Est-ce que je peux toucher aussi haut? Bon, apparemment j'ai pu toucher un petit peu. Toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Hop. Ok, il y a eu un abandon juste devant nos yeux, c'est magique. Hop, tu me feras plus de dégâts avec ça, toi, parce que ça faisait vraiment beaucoup trop mal. Petit coup de régène, ça fait toujours du bien, cela dit. C'est de la régène ou c'est quelqu'un qui me heal? J'ai un doute. Hop. Ça m'a fait mal. Parce que bon, repop dans mon dos, c'était pas un petit peu. C'était pas un petit peu too much. Et mec, repop dans mon dos, c'était peut-être un petit peu too much. Mais enfin bon. Why not? Why not? Why not? Surtout qu'en plus j'étais en train de sniper quoi, donc du coup j'étais vraiment loin du point, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça sert à rien de rager Marcus. Bon. Un petit tesseract, assez particulier hein, d'ailleurs, hein, ça change un petit peu, je trouve, c'est assez sympa. C'est rigolo, c'est dans la période où je suis en train d'utiliser mon tesseract, et du coup je vois que ça commence à rager. Arrête de faire ça, sinon tout le monde va se mettre à faire ça. Tu veux dire qu'il y aurait encore plus de Tesseract qu'il y a actuellement, c'est-à-dire il y en a minimum un par partie. Donc bon. D'accord, bon bah il y aura une mise à jour aujourd'hui. Ok. Bon bah je suis loin d'être le premier. Hein. Et au niveau du score encore pire. Mais bon, c'est comme ça. Comme quoi, vous voyez, des fois, le robot est valuable en TDM, mais pas forcément en Battle Arena. On a une Silver, on l'ouvre. C'est dans les Silver qu'on a eu le plus de légendaires jusque là. Vous voyez? Avec un peu de bol, c'est celle que je n'ai pas. Parce que j'ai l'autre. Hein. On va peut-être pouvoir se faire un robot prochainement. Je vais quand même vérifier ça, mais... Eh merde, c'est celle que j'ai. Dommage. Il m'aurait fallu l'autre en fait, chers amis. Il m'aurait fallu l'autre. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner et rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ne pas trop le lien derrière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo.